Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En report celui-là, on en est là où on en était. Donc j'ai un petit peu constaté, c'est que Rogue en fait fait un petit peu moins sensation que Unity en fait, ce qui est bien sûr évident parce que c'est pas du tout la même architecture graphique. Comme vous avez pu voir, c'est un peu moins joli sur Rogue que sur Assassin Unity. Ce qui est vraiment dommage, sincèrement, c'est que ce jeu-là, ils l'ont pas sorti sur PC, parce que j'aurais été le premier à le prendre sur PC, parce que ça me dérange pas tout simplement de vous proposer ce jeu-là, parce que sur Xbox 360 ou PlayStation 3, malheureusement, c'est des consoles qui sont plus d'actualité maintenant. C'est que ça reste quand même des consoles assez sympas, mais c'est bon, je pense qu'elles ont fait un peu leur temps. Donc sortir un jeu comme celui-là, qui est vraiment intéressant pour ma part aussi, parce que l'histoire est beaucoup plus captivante peut-être, comme beaucoup le pensent. Et du coup, en fait, je suis un petit peu déçu en fait de pas pouvoir l'avoir en meilleure qualité, quoi. C'est juste ça le petit point noir. Et après, pour ceux qui me disent, non, mais c'est la suite du 2. Je me suis un petit peu renseigné, c'est pas forcément la suite du 2, mais faut savoir que dans le 2, il n'y avait pas de navire en fait. Bon, peut-être l'histoire se ressemble, mais vous savez bien comment Assassin, comment tout est mélangé au fur et à mesure. Donc du coup, plus rien n'a de vrai sens en fait. Donc c'est pour ça que c'est dur de dire que c'est exactement que le 2. Ça peut être entre le 2 et le 3. Et le 4 aussi. Ouais, d'accord, moi je suis vraiment le roi des foufous. Je commence à me lancer tant. J'arrive même plus à parler. Je commence à me lancer, on va dire, comme ça, sur l'objectif, mais je me rends pas compte qu'il faut prendre le navire. Tu sais, j'ai tellement l'habitude d'affranchir des distances. C'est vraiment sympa aussi, ça. Mais graphiquement, c'est vraiment, mais vraiment un gâchis, quoi. C'est ma façon de voir les choses. C'est que c'est des jeux qui sont vraiment intéressants. Mais malheureusement, il sera pas mis en valeur à cause de ça, de son côté graphique. Beaucoup vont me dire, ah mais il est pas terrible, il est un peu moche, ça m'intéresse pas. Certes, hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, en fait, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas sorti sur les nouvelles générations. Ça aurait pu vraiment un petit peu équilibrer les deux assassins. Même si Unity resterait le favori à coup sûr. Mais il aurait bien pu coller Rogue derrière, quoi. Parce que moi, pour ma part, je trouve vraiment intéressant comme jeu. C'est pour ça que je me suis permis de faire les deux en même temps. Sinon, ça m'aurait pas intéressé. Sincèrement, je l'aurais pas fait. Hein. Ouais, je chante un peu, mon frère. Allez, on va faire un petit tour dans les eaux là-bas. Allez, bonnette. Non, c'est un petit peu frustrant de voir un petit peu le côté des graphismes. Même si je vous le mets en 1080, c'est pas vraiment de la vraie 1080. C'est la 1080 de la Xbox 360. Donc, on arrive tout simplement au maximum de sa capacité de cette console. C'est pareil pour la Xbox One ou la PlayStation 4. Dans 2-3 ans, malheureusement... elles n'auront pas le même impact qu'à l'heure d'aujourd'hui elles ont. Sachant que les PC maintenant, ils peuvent limite filmer du 4K. Hein. Il y a certains jeux qui sont sortis en 4K, donc c'est un peu plus intéressant. Donc ça reste à voir en fait comment ça va évoluer dans le temps. Parce que le faire sur PC, je l'aurais bien fait. Mais le problème, c'est que ça sert à rien, on va dire, d'attendre quelques mois juste pour le refaire sur PC. Même si ça aurait été un peu plus joli. Et vous savez comment ça marche, hein. C'est que les gens n'ont pas forcément la patience, ils sont toujours pressés de tout avoir tout de suite. Et si tu leur dis, bon, je vous fais attendre Assassin dans quelques mois, donc vous êtes capable d'attendre, ils vont faire, ouais, mais en fait, au final, ils vont pas attendre, ils vont voir d'autres sur d'autres chaînes. Et du coup, en fait, malheureusement, dès que tu vas le présenter sur PC, tu vas faire peut-être pas mal de vues sur le premier épisode, mais après, les gens l'auront vu, donc ça va devenir un peu moins intéressant pour eux. À part certains vrais passionnés, quoi. Mais non, je vais pas t'envoyer dans le fond, dis pas de bêtises. Bon, moi je sors. Hein. Allez, salut! Ouais, capitaine, c'est Swalnaquen! Parce que regardez, comment même ça, des petits détails comme ça, c'est pas mal en fait. Mais bon, le problème, quand même, par hasard, c'est que c'est pas au point. Donc, il y en a qui me disent que je vais un peu trop vite par moment, que je cours tout de suite sur les objectifs principaux. Non, pas forcément. Mais c'est juste que là, il n'y a pas trop de choses à explorer. Je veux pas fouiller les corps comme sur Unity. Il n'y a rien à gagner en fait. Regardez bien. Juste pour vous montrer. Bon là, ça y est, je suis repéré, mais... Ok, on va essayer de faire attention à tous ces ennemis.
Et pourquoi je dis que ça ressemble un petit peu plus au 4? Parce que tout simplement, on est sur les navires. Et du coup, c'est pareil pour moi, parce que c'était une nouveauté sur le dernier Call of Duty. Non mais moi, sérieux, faut que j'arrête hein, de faire autant de jeux. Non, sur le dernier Assassin, comment ça s'appelle? Comme beaucoup se foutent de moi avec Black Flag. Donc c'était celui-là, en fait, qui ressemblait... qui se rapproche plus de celui-là, en fait. Le côté bateau, c'était une nouveauté, etc. Ah, par contre, je les ai pas libérés. Voilà comment ils m'ont regardé, je les ai regardés, et après ça s'est arrêté. Bande de petits malins. Ah, vous êtes comme ça, vous, hein. Regarde-moi ça. Hein. Allez, ouais, je vais te tuer. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il me fait, lui. Eh, faut te calmer, eh, faut te calmer. Oh là là, Podji va mourir. Regarde, il va attaquer par derrière, tu paries? Allez, je me défends. Je te fais tomber. Je te tombe dessus. Et toi, tu as pas intérêt à me faire quelque chose de... Oh, tu sais quoi? Tu as cherché, tu vas me trouver. Il y a encore deux gardes supplémentaires, faut arrêter au bout d'un moment. À moi de faire attention. Là, j'ai pas le choix que de me défendre. Eh, ça rigole pas quand même leur truc. Tout ça juste pour libérer des otages, quoi. Décidément, mon ami, vous arrivez à point nommé. Un point nommé? Merci très cher. Là, vous voyez, il n'y a rien d'intéressant à ramasser. C'est pour ça que je me permets pas forcément. Ah si, si. Je vais commencer à ramasser, mais pas. Je vais pas faire comme sur Unity, je vous le dis d'avance. Hein. Unity, je passe ma vie à chercher sur toute chose sur les cadavres. Hein. On aura des fléchettes. Mais je sais pas, vous, personnellement, vous en pensez quoi de Rogue, en fait? Ça aurait été bien, franchement, de vous amener, on est bien d'accord, qu'il aurait été beaucoup mieux sur les nouvelles générations, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Donc là, tout simplement, je pense que je vais essayer de faire un tour là-bas, rapidement. Ok. On va se lancer rapidement sur l'objectif. Mais hé, je peux pas remonter. Je ne peux pas remonter. Tu blagues. Oh, le vieux bug. Oh, le truc tout pourri. Je peux pas remonter. Tu te fous de moi? Ah, ils ont un petit peu déconné là, si c'est ça. Attends, je vais essayer de passer à côté. Oh, comme une étoile, la nana. Regarde, regarde. C'est trop marrant son coup de balai là. C'est bon, là, je peux. Bien évidemment, je vais avoir des gardes, comme toujours. J'ai de la chance, c'est que je suis pas encore identifié. Bon, le coffre-fort, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de tout le temps que tu prennes les coffres? Bah, ça me donne un petit peu de sous. Et du coup, je pourrais peut-être améliorer certaines choses. Donc, l'objectif principal est juste là-bas. Ok, on va se lancer directement sur cette mission. C'est parti. Tu es en retard. Le temps est en train de virer à l'orage. Il n'est pas le seul à ce qu'on dirait. Master Franklin, mon nom est Shay et voici mon associé Hope. William Johnson veut vous remettre ceci. Oh. Merci, mais je dois hélas différer cette expérience. La reporter, pourquoi ? L'armée m'a confisqué mes paratonnerres. Or, ils me sont indispensables pour produire l'électricité et vivifier la boîte. Master Johnson n'aime pas qu'on le fasse attendre. Alors intercédez en ma faveur. Les soldats ont passé la journée à transporter du matériel. Peut-être pourriez-vous leur demander où sont mes paratonnerres et les récupérer. À votre service, sœur. Commence tes recherches au marché près des quais. Je reste ici pour aider aux préparatifs. Ok, bien reçu. Par contre, j'ai oublié de vous activer un truc. Parce que beaucoup vont me dire, ah mais t'as pas activé ça. C'est les sous-titres en fait. Et oui, parce que maintenant beaucoup de personnes me demandent d'avoir des sous-titres. Donc je vais essayer de vous les activer. Si j'ai cette possibilité là. Effectivement je l'ai. Je vous le mets en quelle langue en fait? En polonais non? Allez c'est parti. Je fais retour. Ouais, c'est beaucoup mieux, non? Je sais, oui. Oui.
Commencez pas. C'est bon, nickel. Donc là, on a ramassé le coffre. Je vais rapidement me lancer à l'assaut du petit objectif qui est juste en face. Ok, tu veux jouer au scan, il n'y a aucun problème. Mais avant ça, je vais prendre un peu d'auteur. Allez, monte un petit peu body. Donc, il est tout simplement là. D'accord. Repérer, vision d'aigle. Ça me permettra d'avoir pas mal de trucs. Oui, t'inquiète pas, je suis au courant que ça me permet de voir... Ah, je peux voir que 10 ennemis. D'accord. Bon, maintenant, on va s'embêter à le suivre. Je sais même pas par où il va passer, personnellement. Je suis comme vous, hein, je suis en train de découvrir le jeu, je vous le dis d'avance, comme ça vous le savez. À mon avis, il faudra pas que je me fasse détecter, comme d'habitude. Ça, c'est un peu le côté plus chiant. Ah, je sais où il va y aller, à mon avis. C'est tellement prévisible. C'est sûr et certain. J'espère qu'il va pas traverser le pont. Mais pour moi, je pense que oui. Hein. Vu les soldats qui m'ont mis, c'est pour ça que j'ai tout de suite vu cette occasion. Oh non. Oui, oui, oui. Eh merde. Ça commence bien. Vous avez vu comment je me suis fait avoir comme un bleu? Il passe par où? Par là? Est-ce qu'il y a des gardes à côté? Non. Ah, par contre, j'ai un mec avec son... Comment vous expliquez ça? Son arme. Body, il monte plus vite. Mais pourquoi ça coince toujours comme ça, moi, sur Assassin? Eh, faut arrêter, hein. Tiens, va dormir un peu, tu m'embêteras pas comme ça. J'ai pas forcément envie de recommencer. Oh non, à mon avis, il va aller tout au fond là-bas. En fait, je commence à comprendre comment ça fonctionne à peu près les assassins. C'est pour ça que maintenant, on sait par quel chemin il va essayer de passer. On ne me dit pas qu'il y a un chien. Par contre, j'ai aucune issue là. Mais merde. Donc là, je pense que ça va être bon. Voilà, là c'est bon. Il restera plus qu'à récupérer la fameuse cargaison. Bon, lui, il essaie de... Tiens, tu vas bien dormir. Toi aussi. Et je vais essayer de neutraliser la cloche. Et maintenant, il peut venir m'embêter s'ils ont envie. On va récupérer le butin. Oh là là, par moment, des fois, tu vas bien te faire avoir. C'est bon, on a récupéré ce qu'il fallait. Ce que Master Franklin compte en faire. Stop, stop. La tempête s'intensifie. Je ferai mieux de retourner voir Franklin. Donc la tempête, elle fait rage. Donc j'espère que vous allez bien voir les choses, parce que là, pour moi, ça c'est ça s'est obscurci. Là-bas, il y a un mec ou pas? Il y a un mec comme par hasard. Il a découvert le cadavre. Je sais pas si je peux passer par là, ça m'étonnerait. Si, c'est bon, justement, on pouvait passer par là. Encore mieux. Oh, par contre, là, ils sont tous ivres morts. On va quitter le domaine en question. Ne pas nager. Ouais, mais t'es mignon, toi. Moi, j'aime bien nager, moi. En fait, ils veulent pas que... En fait, ils veulent, à mon avis, que je passe plutôt par des chemins un peu plus difficiles. Oh, c'est quoi, ça? Oh, je t'ai tué. Haha, je t'ai fumé. Ça, c'était pas mal, ça, comment je me suis débrouillé, là. J'allais me faire attaquer par un loup. T'imagines, toi? Paf, paf, le loup, il m'a pécho. Bon, maintenant, atteindre l'objectif, les amis. Que dois-je faire? Passer par là, par là. Mais franchement, il me plaît beaucoup ce jeu-là aussi, hein, mais graphiquement, j'espère qu'il va pas piquer plus que ça les yeux des personnes. Parce qu'il est vraiment intéressant.
Shay, Dieu soit loué, vite! Installons tout ça! Une carte. Mais où est-ce? Au Portugal. À Lisbonne, aucun doute là-dessus. Fais-toi discret, Shay. La milice ne va pas tarder. Elle posera sans doute des questions. Que vas-tu faire? Je ne suis qu'une pauvre femme. Je vois. Eh ben voilà. Une pauvre femme. Ne pas nager, bah ça c'est presque loupé. Non mais c'est bon, je l'ai eu en fait. Alors on poursuit. Donc maintenant qu'on est là, on va se rendre de l'autre côté. Il y a un truc que j'aime bien sur Assassin, c'est ça en fait. Vous allez me dire quoi? Les deux en même temps. Ça c'est marrant ça. Comment je vois rien où je suis là? Voilà, encore un autre loup. Et sincèrement, heureusement pour moi, qu'on a réussi à avoir pas mal de choses. C'est quoi ça? Un fragment de quoi? Une bonne journée de chasse. Ouais, elle était nickel. Donc là, il y a quelque chose qui se cache. Bonjour la carte au trésor, c'est peut-être quelque part là. Oh c'est pas grave, je verrai ça juste après. Mais comment je vois rien? Je sais pas si c'est la bonne direction dans laquelle je m'aventure ou pas du tout. Je sais même pas si on peut passer par là. Je crois pas en fait hein. Mais tu sais quoi, on va faire ça différemment. Non, c'est pas ce côté là, c'est celui là. Ah, il faut que je regagne. Mais moi, sincèrement, je suis un vrai con en fait. Hein. Le mec qui voulait traverser toute la région. L'objectif, j'ai cru, c'était tout simplement à côté. Bah non. Oh, c'est loupé. Ok, on a ça. Il n'y a pas un déplacement rapide? Négatif. Bon, on va regagner le bateau. Attention, ils sont en train de patrouiller un peu partout les ennemis. Il est où le chien? Où est-ce qu'il y a le chien? Justement, il y a quelque chose qui brille là. Non. Body, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas ça, c'est ça. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose que vous allez voir. Eh, c'est pas évident. C'est bon, je l'ai eu. Moi, je vais monter quand même, comme ça on aura un point de repère au cas où. Donc, quelle est cette église? Non, même pas, c'était Star qu'il fallait faire. Oh, dommage. Alors, découvrons maintenant cet endroit. D'accord. Au moins, en tout cas, on aura l'île un petit peu plus dévoilée. Voilà. Ça, c'est bon. Mon navire,
Je sais pas s'il pleut ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas qu'il pleut, c'est qu'en fait, est-ce qu'il fait froid ou pas pour que j'arrive à pas geler en fait, à ne pas congeler plutôt. On va tester ça. Est-ce que l'eau est aussi froide que ça? Non, ça va pour l'instant, elle a l'air de se... On n'est pas dans la même région aussi. Hein. Ok. Bon, maintenant on reprend la barre, donc ce qui est... évident, c'est tout simplement voilà. Capitaine Cormac sur la barre. Bon, l'endroit en question est juste derrière. Vous avez vu comment se faire voir, mais on va se faire beaucoup balader, je pense, hein, au niveau de tout ça. Hein. Fais comme un coup, il y avait le déplacement rapide. Oh, c'est pas grave, maintenant que j'ai pris le bateau, on y va. Hein. Je suis en train de déjà faire n'importe quoi, c'est pour ça que je me suis étouffé tout seul. Attends, je prends à peine le bateau que je commence déjà à tirer. Je fais, mais non, mais c'est con que je vais m'arrêter à faire ce genre de petites conneries. Ah tiens, attends, non, je ne peux pas. Mais c'est assez impressionnant quand même le changement de temps cette fois-ci qu'il y a sur le jeu. C'est fou, hein. Ne me dis pas que je vais rencontrer de la résistance. C'est pas vrai. Et pourquoi j'ai 2 points là-bas, moi? Eh bah justement, on va tomber, on va rencontrer un peu de résistance. Oh, tu sais quoi, ils m'embêtent un peu. Et je vais l'attaquer. Une petite bataille navale s'impose. Ah, c'est vrai, j'ai ce truc-là, moi. Ah, c'est mieux fait, hein, les canons. Hein. Bon, j'ai coulé complètement le bateau, c'était mieux. Bon, on va arriver presque là-bas. D'accord, ça me met un fragment d'animus. Ils sont pas sérieux parce que c'est moi qui ai cliqué sur cette zone. Allez, Body. T'es presque arrivé. Vous voyez, c'était pas si loin que ça. Donc après, j'ai pas fait forcément attention qu'il y avait un déplacement rapide, mais c'est pas vraiment grave. C'est bon. Maintenant, on va tout simplement... faire un tour sur le pont. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de t'accrocher comme ça. Bon, amélioration ou pas? On va lui parler. Ce sera, capitaine. Bon, je sais pas, tu me diras toi-même. Alors, acheter. Amélioration. Là, par contre, j'ai assez, tu vois. Mais à quoi ça sert, ça? Ah, c'est les canons. Ouais, pourquoi pas. Là, on a quoi? Boulet explosif. Je suis à combien, là? Attends. Je sais pas, je suis à... Ah, c'est 100 mains directes. Ok. Bon, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Les boulets sont plus intéressants à prendre, finalement. 200. Ah ouais, ça va être pas mal, ça. Mortier. Je ne peux pas encore. Du moins pour l'instant. Tu vois, là, maintenant, je peux plus. J'ai plus assez de bois. Juste, il m'en manque un peu. Hein. Ça, c'est quoi, ça? Mortier, je peux pas. Je vais juste voir un truc derrière. Un nouveau canon. Stockage. C'est quoi, ça? Le truc pour... ça, c'est le pétrole. D'accord. Ça, c'est pour l'équipage. Le harponnage, en fait, j'en aurais besoin. Voilà. Le harpon, c'est ça qui va devenir le plus intéressant. Ça, on pourra enfin prendre des grands trucs. Ah, tu vois, par contre, le quartier, maintenant, il me manque pas mal de choses. Hein. C'est le bois, en fait, à chaque fois qui va être important. D'accord, au moins, on le saura maintenant. Allez, j'y vais. T'inquiète pas. Les boulets explosifs, ça va être assez marrant. Ne me dis pas que je dois monter encore en hauteur. Oh non. Et tais-toi la poule. Hein. On t'a pas sonné. Hein. Je crois que c'était... Non. Je suis quand même violent. Faut que je me calme un peu. Est-ce que je peux monter par là?
sauter par là, escalader ici. Et parler avec qui? Avec elle. Lisbonne fait presque la taille de Londres ou de Paris. Es-tu sûr de pouvoir trouver cet endroit? Je l'ai vu comme je te vois, Hope. C'est un couvent, situé tout près du port. J'y ai peut-être croisé quelques sœurs dans le passé. Eh bien, puisque tu connais déjà les lieux, cette tâche éminente te revient. Comprends-tu ce que tu dois faire? Localiser le temple et récupérer le fragment d'Éden. Nous avons trouvé un navire pour traverser l'océan. À New York, je veillerai sur le Morrigan. Merci. Liam et moi partons sur le champ. Liam n'est pas en mesure de t'accompagner. Ton navire t'attend. Sois prudent, Shay. Les fragments d'Éden sont de puissantes reliques. Bon, on va découvrir ça, si c'est vraiment puissant ou pas. On va vraiment bien se marrer. Je sais pas ce que ça va nous réserver, mais... En tout cas, j'ai bien l'impression qu'ils veulent retourner à la source aussi. Welcome to Portugal. Les fêtes de la Toussaint. Quel spectacle. Et me voilà à chercher une relique plus vieille qu'Adam et Ève. Nous vivons une étrange époque. Benedictus est, Domine, Deus universi qui ad tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet. Bah voilà, nous voilà au Portugal, donc j'ai juste jeté un coup d'œil. Ah, comme par hasard, la carte était impossible, je m'en doutais, parce que j'allais revenir tous les jours ici. Je pense que ça doit être juste derrière. Non, ne me dis pas qu'il faut que je monte encore quelque part. Bon, le mec qui va en plein milieu, tu vois, qui dérange tout simplement tout le monde. Coucou, je suis devant tout le monde. Ouais, parce que pour moi, c'est pas là, hein. C'est totalement derrière. Bon, je vais quand même explorer la zone. Bon, il y a des endroits sur lesquels je ne peux pas courir, là, je peux. Je vais essayer de monter par là directement. Non, négatif. Là, il y a quelque chose qui a l'air de briller, là. Eh ben... Comment tu déverrouilles ce fameux truc, quoi? Ça va être quelque part caché, à mon avis. Je suis sûr et certain que ça a un rapport avec quelque chose, tu vois. Ah ben voilà, je m'en doutais. Ah bah ben on va bien s'amuser, hein, je vous le dis. Hein. Ah d'accord. Il y en a pas mal à déverrouiller. Bon maintenant on sait où ça se situe déjà. Comment mourir bêtement? On va bien s'amuser à retrouver tous les endroits. Hein. Je pense pas que tu peux m'escader par là plutôt. Oh non, c'est pas vrai. Donc déjà là-bas il y a quelque chose. Là-bas il y a quelque chose. Là il y avait quelque chose. Et je pense que tout au fond il y aura quelque chose. Eh ben. Voilà, encore un peu.
Donc maintenant, est-ce que j'arriverai vraiment à bien rebondir à chaque fois? C'est pas dit, hein. Ah, les saletés, ils l'ont mis tout en haut. Moi, je vais m'occuper du plus haut. Waouh, waouh, waouh. Je dis ça, mais... Il y a une échelle, en fait, ici, j'ai l'impression, non? Ouais, ils ont mis une échelle. Dis-moi qui peut monter. Non, il peut pas. Oh, c'est pas vrai. Là, il y a des marches, des trucs. On m'a dit, accroche-toi de ce côté-là, s'il te plaît. Voilà. On a actionné les deux. Bon, il y a les deux sur les côtés maintenant. Un devant, un derrière, les deux sur les côtés. Ok. C'est ce que je pense, hein, du moins. Waouh! Je vais décéder. Bon. Où est-ce qu'ils sont les deux autres? Ça y est, je les ai repérés. Eh ben, eh mais c'est un truc de fou, hein. Eh mais il me donne le tournis, le jeu. Ah, il a des aventures, lui, assez spectaculaires. Hein. Il y a qu'à lui que ça arrive. Hein. Ce genre de choses. Et un dernier. Non, le dernier, on l'a repéré, hein. Bien évidemment. Il est au même endroit. Mais il faut que je reparte totalement en arrière. Oh, c'est pas possible. Ça m'étonnerait que je puisse sauter. Ah, tu vois, heureusement qu'il y avait un truc ici. Je suis pas sûr, mais je vais tenter le coup. C'est bon. Dernier point activé. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, maintenant, on doit atteindre cet objectif. Comment faire un suicide sans se suicider? Allez, hop. Montre-nous de quoi tu es capable. Ah, c'est bon. Donc voilà, donc je pense qu'on va l'atteindre dans le prochain épisode. Hein. Ah ouais, je suis vraiment une saleté. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Je l'ai vu comme je te vois. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description. Et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. À bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.